5 novembre 2021. Face à l'incivisme routier, les consommateurs s'interrogent. Dans sa quête de sensibilisation en faveur des personnes occupant les emprises à des hautes tensions, la CIE a parcouru ce matin plusieurs zones à risque afin de poursuivre son action de sensibilisation. Et puis hier en Guinée-Conakry, la veille de la journée du 25 novembre, journée mondiale des violences faites aux femmes, ont eu lieu les funérailles de Mma Sila, jeune secrétaire décédée des suites de viols orchestrés par des pseudo-médecins. Bonsoir à tous et merci d'être au rendez-vous de l'information. Les accidents de la route semblent s'acharner sur Abidjan, la grande métropole, tellement ils s'y succèdent. L'incivisme est-il au galop? Sylvie Tala a voulu en avoir le cœur net en approchant les consommateurs. Mardi 23 novembre 2021, la ville d'Abidjan est secouée par un grave accident. Un carambolage impliquant un camion de sable dont le frein aurait lâché et 10 autres véhicules à la Riviera 2. Plus que suffisant pour relancer la polémique sur les accidents et l'incivisme sur nos routes. À mon avis, franchement, rien n'a changé. Le gouvernement a fait sortir la mesure, c'est vrai, il y a eu des mesures qui ont accompagné cette loi, mais franchement, jusqu'à présent, il n'y a pas vraiment de véritable avancée. Non, il se comporte mal parce que maintenant, là, de toute façon que les chauffeurs, là, ils roulent mal. C'est comme avant, ça ne change pas. La majeure partie des consommateurs est formelle, les choses n'ont pas bougé d'un iota. Cependant, il y a quelques optimistes. Avec la vidéo-verbalisation, il y a eu un changement au niveau du comportement des automobilistes. En ce sens que les automobilistes sont beaucoup plus prudents. Parce que, étant chez toi à la maison, tu reçois par SMS une contravention. Monsieur, vous avez circulé à telle date sur tel tronçon à une vitesse supérieure à la vitesse autorisée. Donc, chacun est prudent. Une autre catégorie de consommateurs comme Agnès ont des propos nuancés. Pas trop positivement hein, dans l'ensemble. Parce que moi, ce que je constate sur le terrain, là, il y a des chauffeurs vraiment qui ne respectent rien. Bon, il y a certains aussi, par contre, qui te disent, dès que tu montes dans le véhicule, tu te dis, madame, la ceinture, s'il vous plaît, c'est pour votre sécurité. Bon, tout ça, là, c'est déjà un pas. Et puis, ils sont pas trop dans la vitesse. Il y a certains que j'ai constaté, mais aussi, il y en a qui ne respectent rien. Et quand tu leur fais des remarques aussi, des fois, ils te disent que « Madame, ce n'est pas à toi de m'apprendre à conduire. Il y a longtemps que je conduis, il y a tous ces comportements-là. » Selon les statistiques de Lozère, la Côte d'Ivoire enregistre en moyenne chaque année 6 000 accidents qui occasionnent près de 600 tués et 14 000 blessés, avec des pertes économiques estimées à près de 6 milliards de nos francs. La même source indique que 94% de ces accidents sont liés au comportement des conducteurs et 6% aux autres facteurs. À bon entendeur donc, salut. Une conférence débat organisée par Entreprise Économie en partenariat avec le ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, mercredi dernier à l'hôtel Pullman Plateau, s'est tenue. Objectif, répondre aux besoins éminents d'urbanisme pour permettre à plusieurs villes ivoiriennes de s'intégrer dans une plus grande vision de développement des régions. Rappelons que le but recherché par les initiateurs de cette tribune est de créer un cadre de réflexion permanent entre les acteurs du secteur afin que leur contribution puisse à terme permettre un développement harmonieux des villes ivoiriennes. C'est bientôt la fin du calvaire des habitants du quartier Koweït à Yopougon. Après avoir souffert pendant plusieurs années de voiries impraticables d'environ 3 km, les populations, depuis quelques mois, se réjouissent du fait d'un projet de reprofilage de sa route. Christian Gokra. C'est un ouf de soulagement pour les usagers de la route et pour les populations du quartier Koweït de Yopougon. Une joie qui est due aux travaux de bitumage de la voirie reliant le carrefour Koweït à la cité Nestlé, un peu plus loin. Des travaux qui ont démarré il y a de cela quelques mois et qui prendront fin très bientôt. Bon, en tout cas, c'est bien pensé par rapport à nous, les habitants souffrés, surtout la voie principale. C'est tout à fait un problème, surtout quand il pleut même, on a tous les problèmes. On est obligé de rentrer dans les cadres, dans les couloirs, sortir. Ça fait tellement qu'on maîtrise maintenant les couloirs d'ici. Sinon, en tout cas, c'est bien pensé de pouvoir arranger notre route. C'est seulement ce qui nous fatiguait un peu, c'était les motos à trois roues là. On nous fatiguait un peu, on nous fatiguait pas la tâche. Mais aujourd'hui, je pense qu'avec tous ces changements. Pour Guy
Petit Serge, habitant du quartier Couette, prendre des dispositions pour pouvoir limiter la vitesse sur cette nouvelle artère serait idéal pour la sécurité des populations. On craint le pire parce que la population de Couette, nous sommes nombreux. C'est de faire de telle sorte que là, les voitures ne roulent pas trop vite sur cette voie-là. Mais c'est une voie principale, c'est la seule voie même. Donc s'il peut mettre les dodanes et puis des pancartes, des signalisations, enfin, il y a des écoles, tout ça là, il dit que attention aux élèves, attention aux enfants, c'est mieux. Ils sont nombreux à saluer cette initiative qui vient mettre fin aux souffrances des populations. Par ailleurs, certains émettent le souhait que ces travaux s'étendent dans plusieurs quartiers de la commune. Et en tout cas, moi, ce qui est dit à l'État, merci d'avoir pensé aux habitants de Couette. Je pense que ici, les autres quartiers que nous fréquentons souvent, si ça peut être la même chose, je pense qu'on n'aura pas de problème dans les quartiers. Les personnes et les biens pourront désormais circuler librement au quartier Couette, surtout que le développement passe nécessairement par la route. Ainsi, les automobilistes sont appelés à faire preuve de vigilance. Renforcer les connaissances des jeunes leaders sur l'extrémisme violent et ses manifestations, le processus de radicalisation, la spirale du discours identitaire et ses crises, tel était le but d'un atelier qui a eu lieu hier dans la ville de Gagnois avec pour participants 25 jeunes leaders de communauté. Rappelons que cet atelier organisé par l'ONG Zarama Center for Peace Building œuvre pour une Afrique pacifiée et développée à travers des jeunes et des femmes. Dans l'éducation, ce sont plus de 22 classes des lycées et collèges d'Issia qui ne reçoivent pas de cours de mathématiques depuis la rentrée scolaire, faute d'enseignants. L'espoir de tous est de trouver une solution à cette situation résidant dans les affectations de nouveaux enseignants du secondaire annoncées pour le mois prochain. Initiée il y a quelques années, la CIE poursuit toujours ses actions de sensibilisation en faveur des personnes qui occupent les emprises à des hautes tensions. Ce jeudi 25 novembre, elle a sillonné plusieurs zones à risque en compagnie des hommes de médias afin d'accentuer la sensibilisation. Le reportage de Nicouman. Dans plusieurs communes d'Abidjan, activités humaines et habitations occupent de façon illégale plusieurs couloirs électriques de la compagnie ivoirienne d'électricité. Des pratiques qui entravent très souvent la qualité de service à offrir aux populations. Pour faire prendre conscience aux occupants des dangers encourus, la CIE continue ses actions de sensibilisation. Les sites que nous avons visités nous ont montré différents types d'occupations. Différents types d'occupations, principalement, nous avons montré les occupations pour les activités commerciales. Donc les occupants viennent juste le temps de la journée. Et puis nous avons visité des sites d'occupation en termes d'habitation. Donc là, dans les habitations, ça veut dire que ces populations vivent en permanence. Même quand elles ne sont pas là, leurs familles sont là. Donc ça veut dire que ces familles sont exposées en permanence au risque. Il est important que les deux configurations, que ce soit ceux qui sont dans le cadre du domicile, que ce soit pour leur activité commerciale, il est important que ces différentes populations-là puissent trouver un endroit plus sûr pour vivre ou pour mener leur activité. Donc c'est dans ce cadre-là, nous espérons que notre message sera bien compris et qu'ensemble on pourra continuer notre activité de fournir l'électricité pour garantir le zéro accident d'origine électrique. Comme je l'ai dit d'entrée, notre objectif principal c'est de pouvoir réaliser ce zéro accident d'origine électrique pour les populations, pour nos collaborateurs, pour les sous-traitants. Étant bien conscients des risques auxquels ils sont exposés, les occupants de ces emprises sollicitent l'appui des autorités. Que nous, on peut céder à l'État, que l'État n'a pas souffert. Par exemple, nous, si on sait qu'on est dans un coin dangereux, mais si on quitte ça, on ne sait pas où aller. Donc, c'est si on sait nos prix à manger, c'est si on sait aussi nos peuples pour payer nos loyers, tout ça. Zéro accident électrique. Voici le message prôné par la CIE qui parcourt depuis plusieurs années les zones à risque pour sensibiliser les populations sur la nécessité de libérer les couloirs électriques. Il faut noter que la libération de ces emprises faciliterait la tâche à la compagnie ivoirienne d'électricité dans ses interventions pour le bien-être des populations. Pour lutter contre la contrebande, 79 tonnes de produits prohibés saisis par les douanes ivoiriennes ont été incinérées. Cette opération s'est déroulée hier à l'espace Aquaba Business Park sur la route de l'aéroport Félix-Houphouët-Boigny.
Le directeur du cabinet adjoint du ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Yaya Keyo, a salué cette action qui participe à la mission traditionnelle de la douane de protection des consommateurs. Il a également félicité la douane pour le travail abattu dans tout le pays. À présent, le point de la situation journalière de la COVID-19 en Côte d'Ivoire. Nous avons 8 nouveaux cas confirmés, 29 guéris. Heureusement, aucun décès n'a été signalé ce jour. Au total, 61 660 cas confirmés, 60 626 guéris et 700 décès. Plus d'une centaine de Guinéens se sont réunis mercredi dernier à Conakry, la capitale, pour rendre un dernier hommage à Oumma Sylla, jeune diplômée en secrétariat, un décès survenu le 20 novembre en Tunisie, où elle se soignait depuis un mois après avoir été violée par des pseudo-médecins de deux cliniques privées de la capitale guinéenne. Les praticiens de ces établissements illégaux sont également accusés de lui avoir procuré de mauvais traitements médicaux, puis d'avoir tenté de la faire avorter. Signifiant que les funérailles de Oumma Sylla, décédée à l'âge de 25 ans, se sont déroulées la veille du 25 novembre, journée mondiale des violences faites aux femmes. Ce sera tout pour ce soir. Demain, je vous laisse en compagnie de Sylvain Tala et moi je vous retrouve lundi prochain. Prenez soin de vous, bonsoir.